L'activité de notre société, c'est principalement la tuyauterie industrielle et la chaudronnerie industrielle. Donc, par industriel, nous ne desservons que les industries, l'industrie papetière, la chimie et toute l'industrie annexe qu'il y a pendant les Landes, que ce soit le sel, que ce soit certaines mécaniques. J'ai débuté il y a 30 ans en tant que dessinateur et je suis arrivé dans les Landes en 1982. Là, je me suis positionné en chef d'agence. En 89, l'entreprise a déménagé et a construit un nouvel atelier à Tartas. Et je suis devenu directeur de site. L'entreprise était à vendre. Je me suis porté à cœur de cette société parce que c'était pour moi un aboutissement. C'est-à-dire que, vu le déroulement de carrière que j'avais eu, devenir dirigeant de l'entreprise me plaisait énormément. C'était peut-être plus facile pour moi de reprendre l'entreprise dans laquelle je travaillais depuis 25 ans que de créer une autre entreprise. Donc je continue à travailler un peu sur les mêmes bases, avec quelques variantes, en ce qui concerne la stratégie notamment, aussi le personnel, puisque j'ai eu l'occasion d'engager un second, un technicien préparateur. Et j'ai aussi une secrétaire comptable qui est un pilier pour moi. Donc j'ai aussi des projets, forcément, pour l'avenir de la société. J'ai une vision, si vous voulez, de partenariat avec une grosse entreprise française et qui pourrait nous amener énormément de travail. Nous avons quelques qualifications. Nous sommes des soudeurs agréés, donc qui permettent de faire de la tuyauterie, de la soudure de haut de gamme, suivant la directive européenne des appareils sous pression. Et je compte bien continuer dans cette voie-là.